après danse, tamboulou. Si nèg yo konnen, c'est comme ça. Cadavre Jovenel Moïse, zosman président Jovenel Moïse, t'a prêté en travers dans gaganyo. Franchement, yo t'a pensé yon l'autre façon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou gayé responsable Sitiyou. Deux semaines avant assassinat président, il était débarqué dans le pays d'Haïti. Et monsieur qui était débarqué dans le pays, ce n'est pas pour tirer son piti. Il passe dans l'ambassade américaine et faut qu'on ait monsieur Sayo, il te recevoir un plan bien déterminé pour venir développer le pays d'Haïti. Mais plan de développement, ça, grand monde qui pour parler là-dedans, il relève Jovenel Moïse. Bon, sûrement, ces plans de développement, n'a pas vivre là. C'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti actuellement. Parce que, moun qui t'a campé en quoi, compte plan ça, moun yon pas de vle, ouais, c'était seulement Jovenel Moïse. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous toutes connaissons, M. Newton Saint-Just, pas jamais suspendre fouiller zone en Kalalou, dans le dossier assassinat président. Dernièrement, c'est lui-même qui vini, qui fait nous connaître, à travers yon avocat ligéye, yon lié ensemble en République Dominicaine, nous pral connaître 20 millions de dollars qui sorti dans le pays d'Haïti, qui passe dans la banque en République Dominicaine, l'agent ça, c'est pour touye président. Bon, qu'on y a là, question qu'a posé. Qui intérêt, responsable Siti ou gagné, pour que, li monte yon plan aller chercher Colombien pour vin douye président. Pour qui est-ce la travail? Qui est-ce qui finance il? Rale chez ou, met Newton Saint-Just, pral mette kouze la te. Bonjour, bonsoir tout le monde qui janouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter. Activez cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami Pao, Foucault. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout sa cap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao, Foucault. Neg yo tap fêté, neg yo tap boué, yo tap bien passé. Et puis, vous, frères et sœurs bien-aimés, balle la fini. Qu'on y a là, faut ramasser tout instrument, yo, pour quitter espace-là, faut clean ni. Mais, ça qui passe là, frères et sœurs bien-aimés, bon, j'en ai yo aïk, pièce moun pas senti courail, yo. Yo pas wè comment yo pral pote aucun matériel. Et c'est là, en pile moun pral koné, qui ça qui te gagne dans zone ça, qui ça qui te passe dans jour soir ça. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, après politiciens, oligarques dans Pétionville, mettez ensemble avec mafia dans international là, passez pour un Colombien, tombez en République Dominicaine, fin chita yon monte yon plan, yon touye 58e président pays d'Haïti. Mais, si Negmon, pas mandé pour monter sous lit comme ça. Oh oui, ge grand moun nan kay la, ou ka toujours touye, mais pas penser wap ka vive à l'aise après ça. Malgré président fin assassiné, plus passé 19 mois en batte, eh bien, frères et sœurs, on dirait c'est Zosman Jovenel Moïse qui campe en face, messieurs, actuellement là, qui a tout monté la vie. Mais Newton Saint-Just frappé fort. Nous prenons le ensemble, yon interview ensemble avec madame Marie-Lucie Bonhomme. Frères et sœurs, tendez avec un pile attention. Et c'est extrêmement important. Ou même qui dit, ou intéressé, et ou supposé intéressé, puisque ou c'est haïtien. Dans le dossier assassinat, faut qu'on ait dans bon timamite, qui ça qui t'est passé. On allait ensemble. Ça veut dire, question, nous allons mettre accent sur lui. On va parler de insécurité à tout. Et, mais, il y a des noms là. Et, propriétaire, Sitiyou Security, Antonio Intriago. Mm-hmm. Et Arcangel Pretel Ortiz, c'est opérateur situé au Federal Academy, Walter Ventimiglia, et nous savons, et où citons régulièrement, et l'académie sont faits, particulièrement ici, et dans Vision 2000,
me rappeler dans dernière émission nous faire où tu as dit que mais comment expliquer que les États-Unis la travaillent et sous dossier ça et puis silence fait sous moun sa yo et le ou après nouvelle là hier et que ça veut dire pour est-ce que ou dit ça c'est un bon gens avancé et dans cadre enquête et sous assassinat président Jovenel Moïse en tout cas dans ça qu'a fait aux États-Unis. D'abord, pour nous dire que nous prenons note de ça, et ceci sans euphorie aucune, et nous reconnaissons tout que l'arrestation ça, ou bien pas ça franchi, hein, nous avons dit, porter un petit bémol, non, et positionner un élément positionnel, à savoir, nous avons dit que la communauté internationale. En général, et les États-Unis, l'administration Biden en particulier, ils doivent clarifier position sur l'assassinat et ancien président Jovenel Moïse, parce que nous connaissons que Arcangel Pretel Ortiz, c'est lui-même qui était chargé pour aller recruter criminels colombiens et lui qui travaille dans l'armée colombienne comme haut gradé. Qui était responsable de formation dans l'armée ça, qui donc a travaillé en même temps pour dire FBI, était un agent service d'intelligence et États-Unis. Là, nous prenons Antonio Triago, qui est propriétaire CTO, qui est Counter Terrorist Unit, qui lui-même était en Haïti environ deux semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse là. Et il était même allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Et puis Walter Bentimia lui-même, qui est responsable Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui a financé l'opération Sahayo, le groupement Sahayo, sous prétexte que le Jovenel Moïse, pas sous pouvoir encore, l'a besoin au contrat et le pral permettre d'exécuter des projets dans le pays pour développer le pays. Allez. Les Jovenel Moïse, par là, ils ont venu avec une série de plans pour développer le pays. À la traque pour la vie qu'aïté, papa. Mais côté plan, ça, il y a 19 mois après l'assassinat. Plan, est-ce que c'est gangsterisé le pays, puisque je ne dis à peu pas ici, je suis capable de dire Port-au-Prince en siècle net. Tout côté passé, c'est gang. La vie chère, mouna mouri, bagay yo vin pi difficile, m'kapab di 4 fois pi difficile toujours. Est-ce que c'est plan développement ça? Pays a vin pi sale. A la traka boule avec Haïti ou papa? Nèg yo pa pris dans même, on avance. Ne pas oublier tout, que le criminel yo te rivé dans la pouka Jovenel Moïse, yo te dit que c'est une opération d'yé. Donc, administration américaine, non, doule la refigure dans bagay ça. Il doit clarifier position, ça c'est un cas. Mais cependant, nous gagnons encore des réserves parce que depuis le 28 avril 2021, lorsque la justice, ou encore le gouvernement américain, a choisi, a demandé au tribunal là pour appliquer une loi appelée les CIPA, qui c'est Classified Information Procedure Act, qui dit que nous avons une somme d'informations, une somme de documents, que yo pa jamais rendre public, même à la défense, parce que yo concerné la sécurité intérieure des États-Unis. Donc, et évolution ça, c'est un premier pas pour que l'administration américaine clarifie position, parce qu'il faut ne pas oublier que Arcangel Pretel, qui est toujours à travail pour le service secret américain yo, pendant l'assassinat. Donc, on ne pas dire que c'est vous qui êtes vous. On ne pas dire que c'est vous qui êtes vous. Mais c'est un bagage qui est important pour l'administration américaine, non? Et la réfigure. Maintenant, sans attendre, sans nous véritablement besoin, c'est la vérité. Sans attendre par là, c'est que nous devons connaître, ou bien enquête ça, que dans Haïti, que aux États-Unis, nous devons déboucher sur l'identité
sous arrestation, sous jugement des auteurs intellectuels de cet assassinat, nous voulons dire qui était financé en Haïti et aux États-Unis. Et on a profité de l'espace à Mme Bourdon pour nous rappeler à la justice américaine, certainement nous qu'on l'a fait, parce que Naka, Arcangel Pritel, Ortiz, Antonin Tiago et Walter Pellia, nous avons même écrit au ministère de la Justice aux États-Unis pour nous attirer l'attention sous gravité criminelle possible ouais, participation de citoyens américains et surtout des mondes qui travaillent pour eux. Et pour l'autre citoyen américain qui est d'origine haïtienne, qui est le Bob Balthazar, une grosse explication pour le bail et dans le crime ça. Monsieur travaille pour le département d'État pendant plus que 20 ans. Il était par exemple du mandat du président Bill Clinton. Il était entré en Haïti sous règne général à torture avec un paquet, mais il était au chef. Donc, ils sont des gens qui connaissent plus ou moins, ouais, pas très bien le paysage politique et haïtien. Non, eh bien, après assassinat, certainement, criminalité arrive à assassiner Jovenel Moïse, mais le bagarre à la marée pour eux. Vincent, je sais bien ça, Vincent que je me connais d'ailleurs, il était relé et Bob Balthazar, qui est aux États-Unis, pour aider eux, sortir dans sa rue, parce que Vincent a toujours dit que Bob Balthazar, c'est patron. Donc, c'est un citoyen, en plus, c'est déjà en bataille que nous allons mener. Pour que vous tendez Bob Balthazar pour dire qu'il rapporte gagné avec le petit rôle que vous avez joué, parce que, faut ne pas oublier, ce crime a été planifié en janvier 2021 aux États-Unis et il est capable de remonter jusqu'en 2019 lorsque le magistrat Noël Sius, par contre, sinon ça a dit un bagage, était émettre un mandat d'arrêt, bon, un mandat d'amné contre Jovenel Moïse. Et alors que Jovenel Moïse a un domicile, c'est un domicile connu, et c'est mandat ça que j'ai utilisé le 7 février 2021. Dans ça, blâmer qui était capable de faire un dress, oui, ça. Allez. Ça est extrêmement important, papa, ici, pour comprendre. Jovenel Moïse, je suis capable de dire, moi, dans la vie, je n'ai pas fait. Lorsque vous avez une série de monde qui a appelé des menaces, dit, vous tout yo, il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite. La chambre, ça, à la légère. J'aime toujours dire le pas Borisite. C'est que, parole, il y a puissance. Dossier mandat, ça a parlé depuis 2019 et le fait depuis 2019. Pour ne pas justifier mandat, pour yon montrer pourquoi mandat, même j'aime t'as expliqué nous dernièrement, comment machine nan travaille. Gon côté, yon passe commande là, les politiciens yon. Et puis, même qui c'est professionnel, vous pouvez commencer et bailler dans la presse. Comment vous pouvez bailler? Vous avez chaque temps pour vous la gomousso. Et puis, vous pouvez produire ces organisations de l'amour. Non seulement, peuple haïtien, vous produisez un rapport et vous posez des actions, tout, des faits réels. Imaginez, on prend par exemple, dossier massacre la Saline. Pour ne pas justifier le mandat, yo font massacre sur moun la Saline. Yo fourré nos présidents là-dedans. Et puis, yo pral font mandat. Et puis, 7 février 2021, déclaration de John Joel Joseph. Il dit adieu Jovenel Moïse. Gon juge qui pral pour sous l'ordre département d'État. Ça veut dire, peuple haïtien, bagay yo préparé 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, journée jodia, administration Biden. Ou bien j'en suis capable de dire le gouvernement américain supposé dégager le coup de Jean-Jacques pour le retirer pile dans ça. Faut nous jouer une explication qui s'est passé 7 juillet. Pour qui ça n'a été utilisé DIA FBI. Ça s'est passé. Pour qui ça, un paquet de gros autorités, moun qui travaille pour gouvernement américain, moun qui travaille dans FBI, moun qui travaille dans CIA, moun qui travaille dans DIA, non yo cité dans tout yé président. Donc, frères et sœurs bien-aimés, li extrêmement important pour nous joindre explication. On avance maintenant. Ça met une répétition générale pour te préparer
affaire ça. Ça veut dire que tout le monde qui était impliqué dans la question mandat ça, parce que moi, j'ai un document côté que le président CSPJ à l'époque a écrit devant Tekana et tribunal première instance pour le président pour demander et pour qu'il connaisse véracité et mandat ça, et bien, ça répond que effectivement, bon dossier, le Sénat taxe et la Sarine, mais il n'y a pas capable de dire rien sous véracité mandat ça. C'est-à-dire que si on n'a pas préparé depuis en 2019, et voilà. Tout le monde qui était dans la mise en scène, dans la préparation depuis 2019, il y a déjà parti de l'enquête là sur les États-Unis. Est-ce que vous dites que t'es bon bagay qui t'a passé véritablement dans Petit Bois? Que c'est même mandat ça que si you l'un prend avocat si you je dis que you t'es joint un contrat pour venir un contrat de sécurité pour qu'il y ait sécurité en Haïti et pour venir arrêter you vous regarder you vous mandat pour ça et bien c'est même mandat ça n'a pas parlé qui t'est servi dans Petit Bois et qui servit dans l'assassinat Jovenel Moïse. Et donc, le monde s'est dit, il est criminel, et quand vous prenez une explication pour moi, donc c'est un assassinat. Et vous me dites mieux, c'est une vérité dans l'esprit de justice américaine, de justice haïtienne, nous, parce que faut ne pas oublier que le rapport d'enquête qui devant juge Wessel Voltaire en Haïti, c'est il y a des CSPJ, même des investigateurs colombiens qui devinent sans doute ça, et ils ont dit que ils ont conclu que c'était un état, que les gens étaient dans le statut pour faire, et puis à la dernière minute, ils ont transformé en assassinat. Donc c'est même version ça que la justice haïtienne et la justice américaine et ils ont gagné. Et dans l'enquête des CSPJ, ils ont fait mention, bien entendu, de Noël Sius, de Mansassar, qui était joué un rôle dans l'assassinat. Et magistrat, ça, Noël Sius, ça, quand elle passe? Après mandat, c'est monsieur qui était payé à le Canada, donc, quelque chose qu'on a derrière. Et son homme qui trouve à bas, il est capable de connaître l'excuse aux ordres, il est capable de joindre. Et donc, pour une belle explication sur qui rôle que l'été joué. Effectivement, dans la préparation. Est-ce que, c'est-à-dire dans le cadre d'enquête là, bon, on dit enquête à fait en Haïti, est-ce que il y a même piste ça, ça fait par rapport à l'information que vous gagnez et sous et de ça, est-ce que y a exploité? Bon, pas qu'on ait qui méthodologie. Juge d'instruction en Haïti, magistrat Voltaire, et mais ça qui est sûr, dans la conversation que j'ai gagnée avec l'autre monde aux États-Unis qui est impliqué dans le dossier, son piste que il n'a pas négligé, et il y a PCI, ouais, et tout le monde qui joue un rôle, et dans le dossier, et c'est à suivre point de presse que le procureur McKenzie est à hier dans Miami. Il dit qu'on y a là, il pral penché yo sous financement. Et que non, il pral porter l'autre charge contre l'autre monde. Et l'un connaît qu'il y a des mondes qui débaillent l'argent. Il y a qui débaillent l'argent pour l'État. De l'argent qui est passé dans des banques en Haïti, qui a joué une city yo. Moi, songez au mois de juin avant assassinat, ça, c'est qu'il y a 700 000 dollars américains qui a joué une city yo. Et ça, pour nous comprendre, à la première, c'est que, mon site où ça a parlé, c'est deux sites où bien y a un branche à Kanja Pritel d'être dirigé. Et puis, il y a l'autre que Antonio Thiago d'être dirigé au fond seul dans le cadre d'opération. Mais c'est des gens qui sont en faillite. Par exemple, à Kanja Pritel Ortiz, c'est Pritel qui a prêté une adresse dans le monde pour le loger site où à quelques mois avant que nous, c'est-à-dire que son ami qui a un bureau. Tellement monsieur pas capable de payer, et il était des dettes, tout. Il était la justice, et parce qu'il était des pauvres que le pas de payer. Et bien, et c'est prêté, je prêtais une adresse, et aux amis, chaque vendredi, il passe, il prend tout courrier, tout.
aller à la caille de la Gabéo. Donc, tout d'un coup, pour l'argent qui tombait, et puis, affaire a venu changer. Et c'est ça qui fait que, on a dit que après l'arrestation de Sario, il y a un paquet de pistes qui doivent être explorées, surtout dans le financement, parce que c'est le plus gros élément qui est d'enquête dans ce financement. Ne pas oublier que il y a l'argent, tout selon l'information qui a été circulée de la presse dominicaine le 1er avril 2021, qui a fait qu'on est que de 20 millions de dollars américains dépassés par le système bancaire dominicain pour aller assassiner Jovenel Moïse. Ça veut dire qui ça? Par contre, qui dominicain qui a intérêt dans l'assassinat Jovenel Moïse? Qui est sous le secteur privé dominicain qui a intérêt dans l'assassinat? Mais ça clair, c'est l'argent qui se tient en Haïti pour aller préparer l'opération criminelle. Ça. Donc, comme je le dis toujours, chaque fois au Bambou, l'opportunité à Ola contre moi, les tumeurs tiennent encore pour ça, eh bien, toutes les options, toutes les pistes doivent être sur la table pour que nous soyons capables de connaître la vérité pour M. Kassabi. Mm-hmm. Et vous dites, enquête là, les concentrer, je dis, là, sous financement, et, mais sous armes que. Matériel absolument zam yo te utilisé ki ti bal et pour yo capable exécuter président Jovenel Moïse. Alors, c'est pas seulement ti zam mais côté ressorti. Côté ressorti tu parce que t'as oublié que zam pour négocier fait opération criminelle là a été déjà. Et encore en Haïti pour explorer. Ok, information qui a circulé tout de monde qui impliquait dans le crime ça et il était passé, République dominicaine, ils font stop pour être capable d'entrer. Je dis à ça veut dire des monde qui t'a concerné que nous étions dans tous les rapports qui fait jusqu'à présent et ou dit attention, bon pas et qui fait là, l'enquête là qui fait l'avancée quand même. Mais pas d'euphorie, mais piste République dominicaine, et n'attendent tout que, bon, que ce soit c'est, au niveau des États-Unis ou bien au niveau d'Haïti, et n'attendent, c'est-à-dire pour enquête là, les capables complètes, qui là, et y a capable de commencer à exploiter ça. Est-ce que. Excusez-moi, alors tout ça. Par contre, sous son jet, première déclaration, Léon Charles était fait après le crime. Non, il était dit que la République dominicaine était joué un rôle. On a parlé de territoire dominicain ou encore supposé institution et des autorités. Mais il n'y a pas jamais dit un lien sous son corps depuis l'heure. Et ça qui paraît nous étonnant, c'est que après le crime, immédiatement après le crime, le gouvernement haïtien fait appel à FBI, investigateur colombien, mais il n'a pas fait rien, il n'a pas fait aucune demande d'assistance de coopération judiciaire, enquête là, des policières, et pour aux autorités dominicaines, parce que son crime qui impliquait plusieurs territoires, il nous prend Colombie, États-Unis, Panama, République dominicaine et Haïti, ça fait 6 territoires. Maintenant, une autre territoire qui est plus important, qui est capable d'avoir des indices vraiment intéressants, c'est le territoire dominicain, c'est le dernier côté criminel qui a été passé de l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, il est étonnant que ni gouvernement haïtien, ni autorités policières et judiciaires, sous bien entendu le couvert du gouvernement, n'ont pas fait aucun pas dans la direction de ça. C'est pas contre pour qui ça. D'autant plus que, et Jean Doula, et Manuel Patine, qui est une spécialiste en matière de blanchiment en République dominicaine, il a dit très clairement le 1er avril que les autorités dominicaines, le système bancaire dominicain, c'est qu'on est très sur les 20 millions de dollars entrés là pour venir assassiner Jovenel Moïse, et ça n'a pas dit autorité haïtienne. Et c'est même bagarre là que, je répète bien entendu, nous étonnés en pile que jusqu'à présent, nous pas porter une partie civile dans le dossier ça aux États-Unis, mais parler de l'État haïtien. Parce que il ne s'agit pas seulement de l'assassinat de Jovenel Moïse, d'un président, mais c'est une attaque contre la souveraineté, nous, comme peuple, c'est une attaque
continuité nous comme nation. Et puis, et je dis à la, sous besoin d'informations, comme qui ça est ministère de la justice aux États-Unis, a dit ça, procureur a dit ce dossier, nous pas même gagnons unité au niveau consulat nous, dans Miami, qui apprend information, qui nous pas même présenter ça au Léon à Philavie, pour nous expliquer à qui niveau souveraineté nous est attaquée et qui situation juridique nous savons que nous jugé aux États-Unis, qui vient nous considérer parce que il s'agit d'une attaque contre notre souveraineté, contre notre fragilité. Donc, ça traduit tout, madame Bonhomme, la perception et une sorte de complicité au plus haut niveau de l'État haïtien et de la société haïtienne et d'un crime ça. Nous, souvent, il y a le même gouvernement en Haïti à peut parler de lui-même. C'est comme si pas jamais un bon président que été assassiné le 7 juillet 2021 en Haïti. Mm-hmm. Et la justice semblait donc à marquer le pas sur place. C'est comme un dossier, ça c'est comme on patate chaude. Nous sous ça dit combien juge cinquième mm-hmm. cinquième juge. Maintenant faut nous comprendre ça tout. J'en ai toujours dit la position nous. D'abord nous dit que toute option est douée sous table. Pour le international là avec les États-Unis en particulier a essayé position. Maintenant nous toujours dit que crime ça son complot au plus haut niveau de l'État haïtien, au plus haut niveau du gouvernement haïtien, son complot au plus haut niveau, au niveau des plus hautes sphères de la société haïtienne, pour assassiner Jovenel Moïse, ça veut dire qu'il y a de grands intérêts. Les auteurs intellectuels, il y a sur l'émission là, il y a Poisard dans la rue, il y a comme là, mais il y a comme à quoi, il y a plus à venir, mais c'est pas ça que tu as souhaité. Tu ne vas pas souhaiter par ça au palais du tout. Donc, il y a un système qui est aussi faible. Des juges ou des autorités judiciaires et policières qui ont si peu de moyens, eh bien, il est difficile pour marier un dossier à Jaouta Domarel. On va en poser une autre question. En quête là, pour finir. Mais qui ça, le juge la paix de CPJ fait? Qui ça, la police a fait? Ou est aux États-Unis? Il y a des gens qui ont arrêté. Il y a des gens qui prennent le tribunal là, le 25 avril parce qu'ils ont défini, ils ont pris des coupables, pour nous ont dit qu'ils ont pris des coupables. Mais oui, ils ont cherché le monde, toujours l'enquête là, pas arrêté. Rappelez-nous, pour l'auditoire là, et non, et Mounsayo, c'est des suspects et importants qui ont changé d'avis, et justement, sous. Mounsayo qui a soigné? C'est Rudolf Jarre. Nous avons Jean-Joël Joseph ensemble avec Palacios, Antonio Palacios. Mais sous le dossier Mounsayo, permettez-moi de porter un éclaircissement. Non, au premier temps, là, au fait arrêter, donc, et entrer dans le plus bargain, dans un processus de négociation avec la justice américaine. Mais ça qui est cherché, c'est environ 10 à 15 ans de prison. Mm-hmm. Mais selon les négociations, ils ne sont pas capables de faire moins que 30 ans. Donc, ils viennent changer les plaidoiries. Ils s'accélèrent tout le temps pour préparer les faciaux. Parce que pour qui ça? Ils ont gagné une raison qui est juridiquement fondée et tout ça. Parce que selon l'article 956 du Code de procédure pénale, il n'y a pas appliqué dans le cadre des procédures aux États-Unis. Yo poursuivent Mounsayo parce que yo dit yo te vin utiliser territoire américain, yo te vin planifier, ça veut dire conspiracy. Yo te vin faire complot aux États-Unis pour faire kidnapping ou un assassinat dans un pays, dans leur pays, quel que soit le pays. Or, Joseph et Jean, ensemble avec Palacios, quatre jeunes étaient aux États-Unis dans la réunion dans CTO qui est faite en janvier 2021. C'était de préférence Vincent, Solage et Sanon, et Arcangel Prétier, alors qui sont tous les Triago, et c'est le monde qui est en préparation, et l'autre, on n'est pas dans le country. Et sans ne pas oublier, il faut que vous cherchez qui ou que Bob Balthazar a été joué dans la période ça. Parce que même lorsque vous faites un coup de fil ou pas dans le bureau, c'est qu'on a préparation qui est aux États-Unis. Donc, avocat, M. Sarrao dit, il y a un problème de nos cas parce que chaque il y a des fondements d'accusation, hein, les parquets de Pouillot, clients pas aux États-Unis.
eh bien, l'accusation aux États-Unis, yo font bagay qui aussi intelligent, le yo vin prendre moun qui était aux États-Unis la préparation non et qui vient exécuter en Haïti. Nous voulons parler de cela d'ailleurs, l'ont appelé dans le rapport FBI, dans la complète que yo déposé devant le tribunal de la Floride, pour moun yo le suspect number one. Eh bien, c'est Solage. Parce que Solage fait un dernier voyage d'environ 3 jours. Et il va rentrer le 30 juin, 1er de juillet, il est venu retourner en Haïti. Il était venu filmer tes derniers touches pour te préparer à l'assassinat. Mm-hmm. Donc, Mounsayo, il est aux États-Unis, je veux dire, il va témoigner contre John Jurel Joseph, il va témoigner contre Jean et puis Palacios. Et il va faire ça avec appétit, parce que faut que pour ton bagage, il va venir en réduction de peine. Et je voulais parler de Vincent, non, de Rivera, parce que Mounsayo, yo risque de faire vieux la prison. Mm-hmm. C'est une raison qui peut envoyer chercher Mounsayo en Haïti, on a été lié pour l'accusation aux États-Unis. Ok. Et justement, on va poser une question, comment, c'est-à-dire, la population haïtienne et doit comprendre et le fait que gagner des suspects et clés. Et dans le cadre de c'est-à-dire qui dans le cadre criminel et puis et soit demandé pour y aller aux États-Unis arrêté ou à l'étranger et puis et ça qui était en prison yo qui est en prison que la justice américaine m'a obtenu et que ben la justice haïtienne et juge d'instruction et principalement autorisé et pour y aller et aux États-Unis, est-ce que Mounsayo... Nous ne pas considérer les institutions autorisées. Nous supposons. Bon, tu as gagné ou dernière information après transfert à 31 janvier. Tu as gagné information et un avocat qui t'a dit ça a gagné quelques jours. Et un avocat suspect, tu as un avocat qui t'a dit que ça a gagné quelques temps que les États-Unis t'a souhaité que Mounsayo lui-même y entre, mais le juge et Wester Voltaire, les tontigeants hésitants. Nous-mêmes, ça dit qui à qui lunettes pour nous Westayo, qui gens pour et analyser, qui gens pour nous et comprendre ça. Et d'abord, commençons par ce qui est choquant. Et, par exemple, moi, songeais depuis en juin, Namiko m'a annoncé ça. Et l'autre côté encore que il y a environ 5 monde. Il a pu prendre pour aller aux États-Unis ensemble avec eux. Maintenant, ça qui est choquant, c'est que nous n'avons pas aucune note, aucune explication de la part du gouvernement haïtien. C'est l'été, 31 janvier, nous attendons, FBI et l'autre monde aux États-Unis a annoncé ça. Et même là, c'était un simple citoyen, c'est un simple citoyen haïtien qui t'a fait, et bien le gouvernement nous a donné une explication sur ça, pas besoin de vous. Et c'est un dossier qui est concerné pour ce un cas d'assassinat d'un ancien président d'un pays. Donc, et ça paraît nous véritablement choquant, ni avant, ni pendant, ni après. Nous ne pas connaître qui en ça fait. Certainement, il y a deux mots qui fait à travers une CAP étrangère et le ministère de la Justice qui transmettent au gouvernement haïtien. Maintenant, et c'est la procédure. Mm-hmm. Mais, deuxième bagarre là. Et il faut connaître que Jean-Moun Abdili et ces États-Unis par rapport à Haïti. Non, gagné et un ensemble de conventions en matière de crimes transnationaux que nous signons, et même avec les États-Unis, qui établit coopération judiciaire internationale. L'idée qu'il ne va pas dit transfert aujourd'hui là de détenus, l'idée qu'il doit échanger formation et le moment. Ça là, pas qu'on est qui Jean juge Voltaire Bralfel, il est capable de faire même demande à la justice américaine, au juge américain qui se désire. Par exemple, à Kanjel Pretel Rotis Antonio Triago et Walter Ventimiglia, nous, il y a une enquête là en Haïti, tout. Il est concerné par instruction qu'a faite en Haïti. Donc, il n'y a pas qu'on juge la Bralfel pour le temps de yo. L'autre bagage qui paraît techniquement. Pour nous essayer d'aborder lui. Par exemple, Sanon, lui-même, si on a jugé en Haïti, il a perpétuité si on veut
condamner. Alors qu'en Haïti, aux États-Unis, il est capable de faire maximum 20 ans de prison. Maintenant, il y a un ajustement pour faire. Mais ça, pour les amis auditeurs, comprendre, c'est des bagages qui est normal, mais malheureusement, ça c'est inquiétude à moi. Et ça, il y aurait un take-over qui a fait dans le ciel. C'est-à-dire que le système américain a pris le contrôle du dossier en Haïti, tout petit gars. Et c'est parce que il y a une piste, par contre, qui est ce système qui peut l'explorer, il y a des voix qui disent, même dans une certaine presse aux États-Unis, que Jovenel Moïse était assassiné à cause d'intérêts géopolitiques. Par exemple, avant qu'il t'a fait vers la Turquie, oui, à travers la Turquie, il devait retourner des rapports avec Venezuela. Et donc, il était prêt ensemble de décisions de janvier 2021 à juin 2021 en ce qui concerne les relations diplomatiques avec la Russie. Donc, il y a des gens qui pensaient que direction ça, où Jovenel Moïse était prêt, était capable de faire les services secrets et américains, de fermer les yeux sous plein assassinat. Donc, son piste à explorer, et si tu as une vérité, si tu as une parole comme ça qui vient parler dans l'enquête aux États-Unis, ça prendrait l'administration américaine, Biden, non, ça prendrait le gouvernement américain, même l'État américain, en difficulté, très mal à l'aise par rapport à l'autre allié qui vient à travers le monde. Donc, ça, c'est capable de tout expliquer l'intérêt qui vient pour y sous ces dossiers. Puis on fait un dossier en Haïti pour que son seule vérité de sortie, une vérité paillot, qui dépend de l'intérêt paillot, de ce qui sera propre. Orienter en quatre ans en quelque sorte. Très bien, très bien, c'est ça qu'on va profiter des jours qui viennent. Et l'autre, pour encore, il y a venu chercher la prison, quand au prince, et des mondes de là, tout pour pas t'en penser. Okay. Et maintenant, ça qui est important dans la direction que le dossier prend, c'est ça qui est commencé. Et de la presse américaine, cette campagne de diversion, d'abord de la presse colombienne avec le Diaz Carapol qui dit que c'est ancien premier ministre qui s'appelle étrangère, que Joseph qui était responsable criminel. Et nous restons retournés encore de la presse colombienne avec frère Herman Riviera. Et gagnant New York Times qui était véritablement question pour campagne, qui n'a pas rien pour jouer avec Angel Pretel-Ortiz, qui n'a pas rien pour jouer avec Antonio Antigago, ou bien Walter Bentelia, ou bien piste qui menait à des anciens, des actuels, et fonctionnaires, ou bien informants, c'est-à-dire informateurs américains. Donc, cette campagne, c'est une question, certainement, nous sommes montés et au créneau contre lui, et lui, et ça fait café. Mais ça ne veut dire que, ça ne veut dire que, la direction qui est prise aux États-Unis, c'est la direction de la vérité véritablement vraie. Qui est ce monde, c'était Taylor, qui est ce qui est fixé, et c'est là que nous gagnons des réserves. Mais Jacques de Ciel a traîné en Haïti, tout nul prend. Il se peut que c'est vérité des États-Unis, en Belém, qui passait, absolument. Alors, et, Pardon? Et la justice a été mis en mode d'attente. Et il y a plein de choses qui ont décidé l'autre bord. Et puis tout le monde a dit que ça. Mais il faut comprendre aussi techniquement que il y a eu un même rapport d'enquête. Et ça, qui était sorti en août, qui était écrit pour être préparé par FBI et la DCPJ. Donc c'est la direction ça. Que tout le monde de justice pour aller, mais capable de gagner, il a dit des imprévus. Et par contre, qui est capable de sortir dans des déclarations, des instructions en Haïti, et ils veulent éviter ça à tout prix. Ok. Donc, ils veulent là, c'est les Américains ou bien autorités haïtiennes? Les autorités américaines ont une responsabilité morale dans tout ça. Voilà. C'est-à-dire, j'en ai dit là, et il y a des gens qui travaillent pour eux. Dans le moment criminel, je ne pas dire que c'est l'autre, mais qui est venu, qui préparait venir exécuter le criminel. Et nous disons que Antonio Andriago dit, c'est l'avocat, lorsqu'il est venu ici quelques jours avant le criminel, eh bien, il était allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Le contre d'Alfès et Saldadi. Donc, il a été entré dans la coca Jovenel avec l'uniforme d'hier, aussi son opération d'hier.
on sa yo qui ont responsabilité morale pour pas avoir que yo lié ni de près ni de loin à que. Voilà. Et je dis combien ça dit monde qui étranger haïtien et qui suspecté d'un crime non et qui non prison et en Haïti. Donc considérez monde que yo transféré déjà. Seulement Jean Laguerre civil qui a gagné une nationalité américaine tout qui la prison ici. Maintenant le procureur a dit que yo pral dans l'autre action, yo pral venir à l'autre charge. Ça pas veut dire seulement moun qui dans prison. Il y a des moun qui n'ont rapport d'enquête là qui devant la justice haïtienne et la justice américaine qui ta en prison. Mais il y a l'autre monde encore qui t'a fait des transactions, qui t'a participé à des réunions, qui était au courant de complot avec tes emplois et qui met pas tant mieux par des surprises. Voilà. Et ça dit, dans qui secteur comme ça? Dans tous les secteurs. Parce que l'éclair, depuis 7 février 2021, le tableau. Et ça s'est fait dans le pouvoir, ouais, par exemple, les trois pouvoirs qui sont impliqués, arrivé à 7 juillet, ouais, les trois pouvoirs impliqués, ouais, tout le de la société haïtienne, il y a des gens qui la donnent. Et écoutez, là, où dans le Jardin, il y a 132 000 dollars pour faire l'opération de la. C'est pas là, c'est sur la poche. Et tu as gagné une grosse campagne, tu as gagné une grosse fondraising qui t'a fait, par contre, ça va en dollars, ça 10 dollars, ça 10 000 dollars, pour te venir vers ce Jovenel Moïse. Et donc, vous n'avez rien à faire. Le résultat, c'est ça le pays, c'est ça lié. Donc, c'est des gens qui viennent là dans la prison, qui viennent par le pays. Et maintenant, pas oublier que nous avons en partie dans le rapport là, qui était disparaît, qui sont l'autre Léon Charles, qui a un rapport avec le financement criminel. Par exemple, le monde pour Léon Charles, il fait partie intégrante de la tête. Donc, Léon Charles, que juge. Et Walter Wessel Voltaire tendait à plusieurs reprises. Et ça n'a pas gagné longtemps là, dans l'espace de quelques jours, et tendait. Donc, où faire le point, expliquer, c'est-à-dire qui bon dossier, qui bon sorti, qui a avancé sous lit, qui a avancé sur la donne, et les États-Unis, et qui ça qui fait et en Haïti. On ne dit pas la justice haïtienne, mais le cas est juste. Et de comprendre position et famille Jovenel et Moïse. On a parlé de Martine Moïse, ancienne première dame, veuve Jovenel Moïse, c'est que avocat Lio, c'est début décembre, il a demandé pour que juge Voltaire, il déporte, il dessaisit de dossiers. Nous parler de questions, voilà, ça qu'a fait sur le plan judiciaire. Mais, on garde tout son président de la République, il a gagné un pile d'ennemis. Mais, les autorités haïtiennes ne sont pas tellement intéressées, c'est-à-dire. Et nous garder ça qu'a fait là, et garder l'attitude des premiers ministres qui pointaient et du doigt par un peu de monde, mais nous comprenons tout. Le fait que, cité dans le dossier, gagner des mondes qui extrêmement important et pour participation et dans le crime, ça, que. Que non cité que il est à l'ouest premier ministre, il pas là vers après premier ministre, tout déclaration de fait, lui un peu, ça dit lui un peu confuse, mais ambigu. Bon, il a gagné parce que confusion, c'est est-ce que oui d'accord avant, mais m'a dit oui, il y a des confusions parce que il fait déclaration, il retourne sous lit, est-ce qu'elle te connaît madame Bono, le problème qui est premier ministre Ariel Henry et que n'importe monde qui lui a dit à n'importe tout le monde par exemple m'a dit tout le temps que vous connaissez très bien. Bon,
Puis si nous avons peut-être une période là avant ou après que nous avons choisi, nous avons même plusieurs temps pour elle, nous parler avec lui. Donc, nous avons dit, nous. Maintenant, le problème, c'est sans bureau de communication pour le ministre, c'est aborder des questions. Non, notre, tu t'es fait sortir. Et pour parler en pile français pour ne pas dire rien, bien pour mettre pour le ministre dans une situation difficile. Et là, il dit par exemple, pour ça, pour le ministre, c'est tellement pour se voir appel. Et par contre, qui est-ce qui est là, qui est-ce qui parle de lui? Ça, c'est un bagage qui est extrêmement grave. Si on monde qui est bien, parce que le premier ministre, au moins, il était honnête, là, il te dit dans ce coup, dit qu'on, bah, Dieu très bien, certainement, il était même, c'est défendu. Là, c'est pas ça le problème, non, mais c'est, où est-ce qu'on volonté de la part de Hugo Communication, au ministre, à l'époque, pour te cacher au bagage. Est-ce que c'est père ou père, est-ce que c'est gêné ou gêné? Donc, le problème n'a pas bien résolu au niveau de communication. Qui ça gagne au monde terrelo, et il était prêt à ouvrir l'eau, il était parlé des bagages avec, parce que il y a aussi, il y a les appels, mais le contenu des appels n'a pas gagné. Et donc, c'est un peu ça avec le premier ministre. Maintenant, on parle de situation, madame Martine Moïse, avocali, et pour question dépôt, là, nous connaissons très bien que le dépôt, c'est un acte volontaire. Qui doit choisir de déporter, et qui doit choisir pas déporter. Le monde dit juge là pour le déporter, il n'est pas tenu. Si on veut que le juge n'a pas fait le dossier encore, pas continuer à instruire ce dossier, c'est faux. On demande de renvoi dans la juridiction d'instruction à l'autre juridiction d'instruction, à l'autre juge d'instruction. Et donc, c'est voir ça pour le plan. Et maintenant, c'est droit que vous avez, si vous avez des suspicions légitimes et ce juge-là, c'est toute raison que la loi va eux. Il est capable de faire demander, mais la demande de dépôt n'est pas un élément qui pour forcer le juge à retirer quoi là. En garder et argument, c'est que avocat Martine Moïse estimait que le ben, juge là n'a pas gagné sérénité assez pour être capable de traiter dossier ça. Et je cite M. Paul Denis, ancien ministre de la Justice, et qui, et, parce que c'est lui-même qui était nommé et juge, fait le vini et dans le système-là, et nous connaît Paul Denis tout, en tout cas ce qui se dit, mais ma gagné extrait devant là. Parler de Texas, Paul Denis, qui était nommé dans ce système-là, eh bien, puisque lui-même, tout, dans le parti politique initial, est impliqué dans le dossier, parce que, ou même, peut-être ça, ou pas bien, comme juge, il n'y a pas de sérénité suffisante pour lui mener à bien instruction dossier assassinat Jovenel Moïse. Est-ce alors, que ça, lui, qui est, n'a pas l'avocat, là? C'est très bien. Et ce faut nous pas confondre avec ça, suspicion légitime et sûreté publique. En cette matière, on est capable de faire une demande en renvoi en ce qui concerne le juge d'instruction pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Ça veut dire ça. Par exemple, on dit que le juge n'a pas de sérénité assez pour les décider. On a dit nos zones. Dans la juridiction côté juge là et là, et capable de troubles ou bien environnement politique, social là, empêcher que le juge là ait une sérénité pour le décider ou qu'il doit demander pour tout ce ça a sorti de la juridiction, ça pour aller dans l'autre juridiction. Oh, sérénité là, c'est pas ce que j'avais dit. Même moi, je mettais des bagages plus rapport avec suspicion légitime. Là, yo, attaquer l'impartialité du juge en tant que tel. Et donc, c'est une demande, je ne vais pas des textes là écrits, je ne vais pas entrer dans la stratégie aucun confrère, mais son demande pour un élément ça a eu, ça a dû être un B. Mais de toute façon, il n'est pas capable de faire objet d'une demande de dépôt parce que nous connaissons que c'est le juge là qui a choisi de déporter. Et s'il y a besoin que le juge là pas instruit aussi encore, Yukon, qui ça pour faire, c'est pour le faire, et on demande un dessaisissement, bien en renvoi. Voilà. Et ça, c'est avocat et
de la veuve de Jovenel Moïse. Et il y a une organisation, c'est CARD, et les mêmes qui rappelaient dans un rapport, qui soulignaient que mandat juge là, eh bien, les rivés à terme, et nous avons doyen, c'est-à-dire doyen de l'époque, il était évoqué ça, pour le juge déjà. Est-ce que, je me pose une question, Franco, est-ce que Jodia, juge ça, il est capable de continuer à travailler et sous dossier, à instruire le dossier? Et alors, c'est ça qui fait nous paraître l'aide dans l'approche, nous, ben, application de la loi au niveau de la justice. Effectivement, le décanat, le tribunal pour l'instant, c'est pour l'instant le doyen, lui a retiré dossier ça dans le juge Gary Aurélien, sous prétexte que il a gagné 2 mois pour le réunion première ordonnance d'avis provisoire, ou dans le premier rapport sur le dossier pour fan qui a suivi M. Roman Tidien, et puis pour faire une ordonnance de clôture dans 90 jours, selon ça la loi dit. Mm-hmm. Il va pas de faire. Mais nous, juge Voltaire, qui a environ 7 à 8 mois là, en dossier, il ne faut pas mm-hmm. faire rien. Maintenant, c'est monnaie courante dans le système. Il y a des juges qui ont un dossier depuis 2-3 ans qui n'ont pas arrivé dans l'ordonnance. Et des fois, par exemple, tant de pièces, mon ne peut pas attendre des gens qui étaient coupés dans la prison. Et dans le dossier, ça en particulier, Colombien, c'est par exemple, je ne sais pas, et moi, seulement à regarder, ça vous fait comme citoyen. Mais je dois violer tout parce que je gagne 1 an, 7 mois dans la prison, je ne pas dire pour qui ça en prison. Et je n'ai pas de moyens véritablement pour défendre la parce que je que le dossier a sorti dans le cabinet d'instruction. Alors, ça que nous devons comprendre. Crime ça en particulier, pas d'aucun juge n'est capable de faire une instruction puis les instructions dans 2 à 3 mois. Parce que ça a été déjà écouté, il est venu l'imprimer, il est sorti, il a fait dans 24 ans même. Maintenant, ça pour nous comprendre, pour nous expliquer bien ça, m'a dit. Lorsque nous avons dû adopter ce code d'instruction criminelle, ou bien tout arsenal, à partir de 1835, par exemple. Mais le législateur haïtien a prévoit un crime comme ça, société, parce que les modes crimes, les types crimes, ils dépendent de l'évolution, ce que vous pouvez ce nom-là. Donc, c'est peut-être des procès qui ont un 2-3 mounes, et qui ont gagné tout élément ça, par exemple, tout un dossier qui a un rapport avec son acte terroriste. Et donc, et convention gain sur le terrorisme, et gain droit pénal international, droit international pénal, gain blanchiment d'argent, gain corruption, gain l'autre infraction que nous pouvons s'habituer avec dans le code pénal là. Donc, ça demande un peu d'expertise. Ils ne demandent pas quelque temps. Donc, juge là, quel que soit le juge là, pas plus capable de faire véritablement dans le délai. Mais si doyen en époque qui applique la loi comme ça pour le juge Gary Aurélien, Folda a appliqué le tout pour juge Walter ou c'est Walter. Donc, c'est ça que ça nous paraît très net. Et ne pas plier dans le même dossier, ça. Peut-être pas au juge, juge Bela, qui n'est ni un ami, ni un ennemi. Et il n'y a pas rien moins dossier là. Vous avez dit, madame Bonhomme, qu'il y a demain un cadre de dossier ça en Haïti, vous voulez mener dans la direction. Il y a des gens qui t'ont souhaité un juge, un type de traitement. Et je te dis dès le début, et nous comprenons, il y a un dossier comme ça qui implique les plus hautes sphères de l'État, du gouvernement haïtien et de la société haïtienne. C'est normal que il y ait de gros intérêts, il y ait des gens qui ont aimé le dossier à traiter, aller dans telle ou telle direction, sans oublier qu'il y a des mains, aussi il y a des forces de la communauté internationale, parce que dans mon esprit, il y a deux communautés internationales, et cette communauté internationale légale, légitime, pas qu'on est, mais il y a les forces criminelles de la communauté internationale parce que les gens qui ont trafic d'armes, trafic de drogue, les gens qui ont un crime transnational, ça, ils font partie aussi de la communauté internationale parce que la communauté internationale n'est pas un concept juridique, c'est une donnée sociologique. C'est un fait qui est devant nous, on a observé. Et
pour juge Gary et Aurélien, après appeler tout rapport RNDDH, te fait qui dit, monsieur, il t'apprend et ben pot de vin et la main et le monde qui était concerné par le dossier de nom même te cité Kako, directeur Léon Charles. Pandémie, oui. D'avenir sur ça. Maintenant, il y a de 6 ou 10, 90 jours pour garder au lien, il faut dire pour tout le monde. On a parlé de gens qui ont appliqué la loi ici. Ok. Non, oui, mais c'est parce que c'est prétexte ça. Et l'ITEPRAN même dit que pour juge Gary Aurélien, et la décision vient prendre, c'est une question pour devenir. Hein? Et rapport à l'été sorti, et puis tu as parlé ça au niveau de la presse. On garde ce prétexte, ça. C'est-à-dire au niveau doyen à l'époque. De l'application de la loi, nous ne sommes pas capables de parler du prétexte. L'autre nous dit que ça, c'est juste après la conclusion, il faut que lui ait fait tout ça pour le magistrat Aurélien, qui sont jeunes garçons qui sont dans le système, pour pas quitter le cause. Moi-même, j'ai eu même l'information. Qui nous et surtout c'est un greffier qui était avec le juge Gary Aurélien et puis monsieur Gale a fait mandat même donc c'est d'azou il prend mandat vient tout invite au logo mandat d'amener mais le cas gérer ça pour vous. Mais comment un greffier qui fait dans cabinet un juge d'instruction pour que tout pouvoir ça pour juge à pas ta connaître il n'a pas aucune décision contre lui. Et Gary Aurélien était rapporté que j'ai demandé de Canada pour retirer le fil à l'Ibajan Montiril. Et j'ai même dit avec des proches que c'est parce qu'elle était voulu aller vers de gros poissons qui fait, fait une combine ça autour de lui-même. Donc c'est des bagages qu'il faut clarifier parce que ça fait nous l'aide en pile aux yeux du monde. Parce qu'on doit se concentrer à la pâche aux États-Unis, malgré toute réserve que je vais exprimer là. Mais il y a un dossier qui mettait en jeu l'image, pas seulement de la justice, mais l'image du pays, et puis pour la traiter comme ça. Et je pense que ça va être clarifié. Et le rapport NDDH ou une décision que CSPJ prend pour passer cette juge-là, il faut qu'il y ait plus loin pour nous connaître la vérité sur ça. Ok. C'était le dernier point. Il parlait de un personnage et important. Et c'est Joseph Félix Badjo. Qui est présenté comme un principal auteur intellectuel et assassinat président Jovenel Moïse pendant plusieurs mois, pas tant de parler de lui du tout. Pardon? Ou pourquoi? Non, le pourquoi, ça c'est lui, mais lui-même. Et oui, des... Non, mais monsieur font sortir là à côté, il dit à propos très menaçant, par exemple, et envers directeur exécutif et RNDDHA, Pierre Espérance, et il lançait des flèches tout compté et des journalistes, il parlait de relations en quelque sorte avec et premier ministre. Quoi, il parlait à deux reprises. C'est que première fois, ça a été fait et en pile bruit. Et nous songeons que sa pire expérience, c'est-à-dire, c'est que monsieur Lijoine Bacop support au chef gang au niveau et de tabac. Donc. Écoutez, sur le dossier Badjo, moi-même, ça m'était souhaité, et ça m'était souhaité. Pour Badjo, et c'est pour lui chercher meilleur côté pour le défendre tête liée devant juge. Et il y a une possibilité pour le faire en Haïti ou aux États-Unis. Il m'a souhaité le faire en Haïti. Et deuxième bagarre, là, et voice à parler, ça me t'attend, c'est qui voit effectivement que le t'es joué dans tout ça, au dessus de l'Irasque, au Brésil, au Cabré, et il m'a pas donné aucun élément de réponse pour ça. Et ça semblait avec tout Colombien qui est en prison, tout le monde qui est en prison, qui, j'aime parler, il est dans la côté, il n'est pas au courant, c'est comme si Jovenel Moïse devait être là. Donc, moi-même, t'as souhaité pour que Badjo ait en vie, pour lui véritablement arriver, écouter, pour lui arriver à le parler, parce que j'aime dire que t'as souhaité qu'il parle en vie, il a fait référence à ça, et ça veut dire que
le plus jeune que la fini, c'est plus intérêt qu'à gagner pour assassiner tout. Mais c'est un bagage qui est logique. Mm-hmm. Et donc, nous avons souhaité que chercher tout moyen et pour lui aller côté le doué aller et pour être capable de défendre. Mais en tout cas, elle dit que elle déposait des dossiers justement qui concernaient et qui au niveau de l'ambassade américaine et Port-au-Prince. Donc et là la justice il y a pas de document comme dans mon il y a tant. Mm-hmm. C'est pour que j'ai des documents donc et Badjo qui fait droit nous qui mm-hmm. fait criminologie quoi bon etc. Et l'icône qui ça pour le faire et pour le capable de faire autant d'elle côté je dois être là. Mm-hmm. Bien que lui dit qu'il n'a pas gagné rapport avec le jeune Haïti encore, il va avoir un cadavre qui va arriver à eux. Maintenant, moi-même, je n'ai pas de cadavre à l'Europe. Je suis dans un temps d'île devant le tribunal. Ici, tout l'autre bord de l'eau, côté de Grosse et fait, parce que non, lui, en temps, investigation FBI est là, c'est avec les CPJA. Donc, lui, et Jean ouais considéré la Haïti, tu penses à considérer le tout aux États-Unis comme ils ont prime suspect, c'est-à-dire ils ont suspect qui est vraiment important. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Maître Newton et Saint-Just, toujours disponible. Ouais. Rendez-vous à très bientôt. À très bientôt. Donc merci et permette-moi finir comme ça pour me dire que nous-mêmes, ce qui est important pour nous dans question ça c'est la vérité. Et me songer que Émile Zola. Il y a un bagage similaire, même similaire, et pas même type de crime, mais qui tape bataille pour la vérité judiciaire triomphée. Et puis, il te dit que je suis persuadé que la vérité saura sortir d'elle-même de ces ombres, de ces ombres monstrueuses, atroces. Et ces convictions, ça a qu'une mienne, que la vérité, on l'a sortie. Mais vous savez que comme toute grande œuvre humaine, elle prend du temps, donc cette vérité prendra du temps, mais il faut la suivre, poursuivre, la pourchasser avec tout que nous, avec toute force nous, j'ai apprécié Eiffel et une fois de plus, n'a rappelé que bon, le citoyen qui est tellement important, qui est le Bob Balthazar, qui a pile bagaille pour lui à Crimsa, il était un gros fonctionnaire dans le département d'État. Il travaille pendant plus de 20 ans dans l'administration américaine nord, et bien, il n'est pas en Haïti, c'est tellement, il est d'origine haïtienne, et bien, il faut que la justice haïtienne ou la justice américaine. Les pipes de l'autre bord, tant qu'il, même Jean avec Arcangel qui était l'antiste, Antonio Antriago et Alter Ventenia. Merci bien, madame. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous t'attendez, Maître Newton Saint-Just. Donc, jusqu'à présent, il y a un pile chimée qui pour fête dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc, à bord ici, n'a prêté Jam, n'a prêté en vie, n'a prêté en santé, n'a prêté sous tes pieds nous. Jusqu'à ce que nous connaissions qui s'est passé. Et il faut que nous exemple qui trace dans le pays d'Haïti pour que nous ne passions pas de côté au sorti, j'en ouvre, pour que nous venions tout le président la caille. Ça n'a pas supposé fait. Et ça, son honte, nous pas qu'à prendre honte ça deux fois, peu haïtien. Donc, moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais aller m'acquitter ou n'embrasser papa, mon Dieu. Parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas moi, c'est Foucault et n'encourager dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous, one love. M'ramasser paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'braler. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.